Un travail déjà, souvent on me dit de, voilà, de sentir les coups, parce que je pense que sur ce plan-là, c'est quelque chose qui me plaît. De, voilà, je suis un joueur de coups, je pense. Après, c'est aussi de prendre la profondeur, les espaces, pour étirer les lignes, pour que justement, peut-être les milieux peuvent avancer et se servir de ça pour une frappe, une passe, un 1-2. Mais bon, on me demande un travail logique d'attaquant moderne. Bah, genre, j'ai été formé plus, j'ai été formé assez librement à Cannes. Et puis, bon, j'ai toujours été un joueur à peu près libre et je me suis toujours adapté. Mais c'est vrai que mes premières années professionnelles étaient milieu droit. En Angleterre, j'étais souvent milieu droit et de temps en temps attaquant. Mais d'être attaquant de pointe. Mais être attaquant en premier, c'est ce qui me plaît. C'est vraiment d'attaquer parce que voilà, je sais que je peux peut-être faire la différence sur un coup. Mais sinon, d'être déjà sur le terrain, à droite ou à gauche, là, je me prends pas trop la tête. C'est vrai que c'est c'est assez spécial quand on se connaît, donc je peux pas dire que si je commence, ben, j'aurai l'avantage forcément et lui aussi. Et peut-être que les premiers ballons font un impact psychologique l'un sur l'autre. Justement, t'as connu le fait de jouer contre un ancien club, comment ça se passe pour un joueur comme ça? C'est spécial parce que ils savent à peu près comment tu joues et ils essayent de te bloquer. Par exemple, quand je jouais contre Sochaux, même si j'ai pas joué avec Corchia, souvent j'avais des prises à deux ou quelqu'un qui venait bloquer derrière parce qu'ils me connaissent et j'étais obligé quand même de changer mon jeu par rapport à ça. Qu'il va tout raconter sur le dispositif bordelais, va-t-il Je sur l'entraîneur? pense pas parce qu'on change tellement de dispositifs qu'il ne le saura pas. Non, ils sont déjà partis avec 3 points de retard, je crois. Ils ont une petite baisse de régime juste avant la trêve. Et là, ils sont bien repartis. C'est vrai que gagner Lyon, il faut le faire, c'est pas évident. Mais quand on regarde l'équipe, il y a quand même des bons joueurs. Je trouve qu'ils ont une équipe équilibrée, ils ont toutes les qualités. Derrière, ils sont agressifs, ils ont de la vitesse devant. Donc c'est une équipe dangereuse avec une bonne attaque. Moutou qui commence à s'adapter à l'équipe. Et non, ça sera encore compliqué là-bas.